وذرير اثر انه يسدي لنا ايام تسا وضرميس دزيس ومرار ثرف ذي ثميرين انتو قام سقرد لقرون هدف الزغورة سطف الزيت وطن للقرام خاسك وذغاز تنوم تتورك تدر ثلق بايلي ونور تشفام تدر ثلق بايلي ونور تشفام. Cette fois-ci, le RCD boycotte. L'UFFS, dans la foulée, a annoncé sa participation. Probablement que le plus vieux opposant au régime algérien actuel soit sous l'emprise de considération de nationalisme et de raison d'État d'un autre âge, d'un autre temps. Mais il n'a pas de droit, sachant qu'il n'a d'audience qu'en Kabylie, de participer à ces élections. Et déjà, la base militante du FFS se met en colère et condamne cette participation comme elle appelle au boycott des élections. Chose étrange, même des militants du vieux parti corrompu FLN appellent en Kabylie. Il y a une douzaine de sections, disons, régionales en Kabylie qui appellent au boycott. La Kabylie se retrouve finalement, par-delà les appartenances partisanes, par-delà les orientations idéologiques d'hier, sur, donc parviennent à un consensus sur la nécessité de construire une Kabylie nouvelle par la rupture avec le régime algérien et avec ses institutions. C'est là l'exercice d'une autre façon du droit à l'autodétermination de la Kabylie. Nous saluons le courage et la détermination, ainsi que la clairvoyance et la sagesse de tous ceux qui, avec nous, vont boycotter en Kabylie les élections de la honte et de la trahison. Je vous remercie. S'il y a des questions, donc, je vous en prie. Le 20 avril, quel est exactement quel événement est commémoratoire exactement? Le 20 avril est la date de la révolte kabyle pacifique en 1980. C'est parti d'une simple fête anodine. À l'époque, la langue, la culture berbère, et kabyle particulièrement, était interdite. Et il a suffi de l'interdiction d'une conférence d'un éminent écrivain kabyle, qui s'appelle Mouloud Mamri, pour que la Kabylie se mette dans la rue. Et c'est la première manifestation contre le régime algérien depuis l'indépendance de l'Algérie. Depuis, c'est devenu un leitmotiv pour l'ensemble des Berbères à travers toute l'Afrique du Nord. Cet anniversaire, en allant le commémorer en 2001, a été l'occasion pour le régime de tirer de nouveau sur la foule et d'engager un processus de révolte kabyle pacifique pendant 3 ans, de 2001
jusqu'à fin 2003. Ce processus est celui qui a été le moment de rupture à travers lequel des voix se sont élevées pour réclamer un avenir singulier pour la Kabylie. C'était le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie et aujourd'hui qui revendique le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Rappelons pour mémoire et pour nous incliner à leur sacrifice les jeunes qui ont été assassinés par le pouvoir algérien et qui étaient en nombre de plus de 120 personnes. Oui, si vous permettez, j'aurais une autre question. Est-ce que le gouvernement provisoire que vous présidez favorise l'option de l'indépendance totale? Le gouvernement provisoire kabyle, en conformité avec l'instance qu'il a mise sur pied, notamment le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, réclame avec lui, avec ce mouvement, l'exercice du droit à l'autodétermination. Il appartiendra à la Kabylie de dire ce qu'elle entend par ce droit et ce qu'elle veut en faire. Monsieur le Président, est-ce que, selon vos, tel qu'on connaît votre mouvement, votre gouvernement, etc., est-ce qu'un jour l'option militaire est envisageable? Un gouvernement comme le nôtre, pétri de valeurs humaines et de valeurs tout court, condamne la violence. Mais si elle est déclenchée, le gouvernement provisoire kabyle ne pourra pas l'arrêter. C'est la société kabyle d'espérance lasse, de désespoir, comme on dit, en viennent à la violence, ce qui est tout à fait fort probable, et surtout qu'il y a l'exemple de l'Azawad d'aujourd'hui qui montre que les peuples déterminés parviennent à leur fin, et il est fort probable que la Kabylie opte pour cette option. Ce ne sera pas celle de notre gouvernement, mais nous ne l'entraverons pas non plus. Oui, c'est pour, notamment monsieur, pour le monsieur. Qui... Monsieur Hassan Ziadi est ministre du gouvernement provisoire kabyle, chargé de la langue et de la culture kabyle. Je voudrais ajouter notamment quelque chose à la question de monsieur qui parlait du 20 avril. Qu'est-ce que ça représente pour nous, là? Il faudra en profiter justement pour poser des questions de plus en plus précises parce que le monsieur que vous avez ici, Mehdi Farhat, c'était le principal animateur de ce mouvement 80. Donc, parti de ce 20 avril, lui-même, je rappelle un petit peu le cheminement, et c'est un diplômé de sciences politiques de l'Université d'Alger, qui était dans la chanson politique durant toutes ces années 70 et même après, et c'était comme ça qu'il était connu, c'était comme ça qu'il drainait justement les foules pour animer le mouvement et ce qui s'en est suivi par la suite. Jusqu'au printemps noir de 2001, dont il avait dit quelques mots, qui fut aussi l'occasion donc, de créer le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Et quelques années plus tard, en juin 2001, au 1er juin 2001 plus exactement, c'est là qu'il crée... 2010. Pardon, 2010, oui. Le GPK, donc le gouvernement provisoire kabyle. Alors si vous voulez en savoir plus là sur le 20 avril et ce qui en est aux alentours, la personne est tout indiquée. Et cette année justement, le 20 avril, je tiens aussi à souligner qu'il revêt un caractère particulier parce qu'il tombe à la veille des élections législatives, des législatives qui sont en majorité déjà boycottées en Kabylie, y compris par le parti, une partie du parti au pouvoir. Donc ce 20 avril contribuera notamment à redessiner tout ce paysage politique en Kabylie.
Et après ces échéances, que nous espérons, disons pas en notre goût, mais au goût de la Kabylie, nous irons vers un congrès national kabyle. Ça aussi, c'est très important. Et de là se dessineront vraiment les nouvelles perspectives. En tout état de cause, la Kabylie est en dissidence algérienne depuis l'indépendance. Elle avait pris les armes contre le régime dictatorial de Bembella en 1963. Ensuite, elle était réprimée et surveillée comme du lait sur du feu. C'est ce qui a amené la rébellion, la révolte populaire de 1981, puis la mise sur pied d'institutions de défense des droits de l'homme à partir de 1985, puis de jouer un rôle très important dans la démocratisation, même si cette démocratisation ne s'est pas suivie du départ du pouvoir en place de l'Algérie. Après la démocratisation, dans laquelle la Kabylie plaçait beaucoup d'espoir, la Kabylie fut désillusionnée et commençait à parler pour son existence et pour qu'elle se sente un peu à l'aise à l'intérieur de l'Algérie, qu'elle a rejetée toujours à sa périphérie. On commençait à parler de modèle fédéral. C'est au moment où on commençait à parler de modèle fédéral, que on avait organisé un boycott scolaire pour exprimer la nécessité d'affirmer davantage notre personnalité. La Kabylie s'était rendue compte que la démocratie se réduisait en Algérie à des choix malheureusement numériques, contre lesquels elle ne pouvait rien, et à travers lesquels elle ne pouvait que subir le statut de minoritaire et de minorité. C'est cette prise de conscience du fait minoritaire qui a fait que elle était partie à la recherche d'autres solutions que le modèle démocratique numérique. Et donc c'est là que l'on a commencé à parler de fédéralisme. Toutefois, les partis kabyles s'étaient livrés une lutte pour le leadership, pour savoir qui serait le partenaire incontournable du pouvoir dans la région. À l'évidence, c'était partir perdant pour la Kabylie et pour eux-mêmes. Les luttes fratricides ont porté préjudice de manière très grave à la marche de la Kabylie vers son destin de liberté.